Non mais il faut absolument que je vous raconte l'histoire de mon tatouage parce que c'est une idée. Wesh, viens ou quoi? J'espère que tu vas bien. Tu sais que je suis complètement déconnectée de la réalité. Je pensais qu'aujourd'hui on était jeudi. On est samedi. C'est ça, travailler à son compte, c'est je n'ai plus la notion du temps. Je suis trop de bonne humeur. Je te jure. Attends, je m'assois. Et en ce moment, je suis trop de bonne humeur parce que c'est les JO et qu'on est en train d'être ça et que l'ambiance du pays. Après tout ce qu'on a vécu pendant un mois, je vous jure, j'ai l'impression que ça fait du bien. Là, je suis en train d'absorber les énergies positives de tout le monde et surtout, j'ai repris la méditation. Cours de méditation du matin. Prenez une grande inspiration. Mon ordinateur s'est éteint. Peut-être pour certaines personnes, la méditation, ça peut paraître ridicule, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est devenu limite indispensable. Pour les personnes qui ne savent pas, il y a 7 mois, je me suis faite opérer. Et en fait, cette opération a un impact sur mes hormones. Il y a des périodes où j'aurai un surplus d'hormones et du coup, ça joue sur mon humeur. Je serai soit trop triste, trop énervée ou bref. Et en fait, ce mois-ci, du moins le mois de juillet, ça a énormément impacté mon entourage parce que je m'énervais trop facilement. Ça a énormément impacté mes relations tout court. Et là, je me suis dit, en fait, c'est le moment de reprendre la méditation parce qu'en fait, c'est la seule chose qui arrive en quelque sorte à canaliser mes émotions. Et quand je le fais le matin, j'ai l'impression que je suis moins aigrie. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc oui, ça peut paraître ridicule, mais là, j'en ai plus besoin qu'en temps normal. Et il faut que je me force à le faire tous les jours. Parce que je me rappelle, il y a une période, je crois que c'était en octobre 2019, où je méditais tout le temps. Et je crois que j'ai jamais été aussi épanouie, aussi en paix avec ma personne. Je vous conseille de faire ça. C'est soit je médite, soit le sport. Et là, pour le moment, j'ai pas eu le temps de m'inscrire à la salle dans ma nouvelle ville. Il faut que je le fasse. Mais comme je pars dans quelques semaines ou quelques jours, je pense, je pars à Mayotte, voilà, pour le boulot. Du coup, je me dis, en fait, ça sert à rien de m'inscrire maintenant, autant le faire quand je vais revenir. Je sais pas quoi faire. Soit je monte mon lit, il faut que je montre, attendez. En fait, là, j'ai monté tous mes meubles. Il y a d'autres meubles qui vont arriver avec le temps, mais je suis broke as fuck, donc je vais attendre le mois prochain. Enfin, quand je vais revenir pour continuer l'aménagement de l'appartement. Mais le seul meuble que j'arrive pas à monter, c'est mon lit. Regardez, s'il vous plaît. Ça fait 3 semaines que ma chambre ressemble à ça. C'est trop bien d'être une independent woman and shit. Jusqu'au moment où tu dois monter des meubles. Je me suis dit, why not? Ah non, mais c'est des maths! Vous comprenez quelque chose là? J'ai besoin d'aide. Je pense très sincèrement que je ne vais jamais réussir à monter ce lit. Et même si je connais mes capacités et que je ne sous-estime pas, là, pour le coup, je ne peux pas. Des fois, il faut savoir se le dire. Hein. Là, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire, c'est de me dire que j'ai besoin d'aide. Et je veux grave travailler sur ça parce que ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire, à déléguer, parce que déjà, j'ai mon côté perfectionniste et du coup, je me dis que forcément, les autres vont mal faire les choses alors que peut-être que pas du tout. Et je me suis rendu compte à quel point c'était toxique depuis que je suis à mon compte. Je me rends compte que j'ai une charge de travail qui est assez conséquente et que si je pouvais me permettre genre de déléguer 2-3 tâches, ça m'aiderait énormément et ça m'aiderait surtout à développer encore plus mon entreprise. Le problème c'est que comme je veux tout faire, et bah je reste sur par exemple 2-3 clients alors que je peux en avoir plus, tu vois pas ce que je veux dire. Donc c'est à partir de maintenant je vais commencer à déléguer. Il faut absolument que je trouve une personne pour monter mon lit avant que je parte, ça serait pas mal. Je suis au bout de ma vis. Il faut que je trouve un truc à faire. Je déteste m'ennuyer. Vraiment, je déteste. Je crois que ça joue énormément sur mon mental. Et je déteste encore plus savoir que je n'ai pas réussi à faire une tâche. Donc il faut que je... C'est qui m'appelle?
Allô? Allô, la mousse a du coin. On est là, et toi? T'as vu mon message? Non, j'ai pas vu, j'ai vu mon téléphone en mode ne pas déranger. Tu vois, et c'est moi, tu parles quand je suis en mode ne pas déranger, mais... Oui, mais moi je filme une vidéo, c'est pour ça. Quand je filme, je mets mon téléphone en mode ne pas déranger pour pas être dérangé. Tu m'as dit... J'ai fait des audios juste pour demander ce que tu disais, quoi. Moi je me fais chier. Là je m'ennuie à mort. Vas-y, à moi je poulais pas. Trop bien. J'adore l'univers. Je dis je m'ennuie, ma copine me dit qu'elle arrive. C'est pas beau ça. En ce moment, comme j'ai trop la flemme de faire à manger, je fais des petites carottes. Philadelphia. Bah écoute, on est là, hein. T'es belle, hein. Merci, toi aussi, tu connais. Est-ce que vous savez que j'ai un tatouage? Parce que là, genre, Sarah, elle est en train de me... Mais Sarah, je pensais qu'on se connaît depuis longtemps, genre, je pensais que tu savais que j'avais un tatouage. Bah attends, fais voir, c'est lequel déjà, ça se trouve, quand je veux voir, ça va revenir. J'avais jamais vu. Oui, bah ça se voit quand même, c'est un cœur, mais enfin... Faut que je te raconte l'histoire de ce tatouage. Non mais il faut absolument que je vous raconte l'histoire de mon tatouage parce que c'est une idée. Du coup, j'avais 12 ans je pense. Donc j'étais au collège, non j'avais 12 ans, moi j'étais même pas au collège hein. 12 ans on est en 4ème, un délire. Non je pense, j'étais en 6ème, j'étais vraiment plus jeune que ça. Mais peut-être à un moment déjà, enfin t'es une 98 non? Ouais, 98, je suis en fin d'année. Ouais, fin d'année. J'étais au collège et tout, et en gros genre... En bas du collège, j'avais un burger façon où on pouvait s'asseoir et tout, se caler et tout. Et là, il y avait des amis à ma soeur, genre ils étaient en banque, ils étaient peut-être 3-4 comme ça. Ah, t'attends ta soeur? Oui. Viens t'asseoir avec nous et tout. Et donc, je m'assois et je vois, ils font des tatouages, tu vois. Moi j'avais l'habitude, tu vois, d'utiliser les tatouages que tu mets là avant que t'enlèves. Ah oui, tu veux faire un tatouage? Je dis, ouais, de fou. Et là, je vois le mec qui sort l'encre de Chine là, avec des trucs là pour piquer. Tu veux quoi? Je veux un cœur, s'il te plaît, fais-moi un cœur. Et là, tu dis, putain, mais ça fait mal ton truc. Il a bien rempli. Oui, il a bien rempli. Ah ouais, là, tu veux autre chose? Il dit, j'avais un crush. Son prénom commençait par un R. Son prénom commençait par un R. Et du coup, ouais, mais j'en ai un autre du coup. Et du coup, je lui dis, ouais, je veux un R. T'as un R là du coup? J'ai un R. Mais en fait, l'encre du chien, ça me faisait mal, mais pas tant que ça. Ouais. Moi, je pensais que ça allait partir. C'est pour ça que je rentre chez moi, ma mère, elle voit. Je suis en plus, elle n'avait rien mis dessus après avoir tatoué. Il a pas posé le. Et rien. Et donc, en gros, là, depuis j'ai 12 ans, je sais pas, 11, je sais plus, j'ai ce tatouage. La honte de ma vie. C'est quoi? Le laser, ça fait mal, hein. Bon, après, le bah oui. C'est pas un mode de... c'est pas les pires zones. Ouais, mais même. Du coup, là, je me suis fait animer par ma mère, laisse tomber. Bah ouais, je lui dis, je savais pas. Bah oui, je savais pas, vraiment. Et le mec en question, il est en prison maintenant. Là, je me suis mis en boubou. D'être à l'aise, tu vois. Elle est à fond dans son truc, je suis mordue. T'es grave bien, mais attends, j'ai une question. Est-ce que t'avais besoin de mettre tes lunettes pour parce qu'en même temps, je regarde les JO à la télé. Est-ce que vous connaissez cette pâte à tartiner? Regardez, attendez. Bref, ça surpasse le Nutella, c'est excellent. Excellent. Et genre, nouvelle découverte, bon, moutarde et gros douce. Là aujourd'hui, par contre, c'est sucré un peu. C'est la cuisine à la dopamine. Exactement. Avoir la cuisine malgache, c'est comment? Eh, mais c'est seulement. Là, déjà, cuisine malgache obligatoire de l'ail. Deuxième truc obligatoire, normalement, moi, j'utilise pas de la poudre, mais... Gingembre. Ail gingembre, s'il n'y a pas d'ail gingembre et s'il n'y a pas de poivre dans ce que vous faites pour moi, je vais même pas manger. T'as même pas du sel. Même plus le sel, ça. Si, mais bon, on a. T'as déjà goûté la pâte, hein. Mais tu me l'as fait goûter la dernière fois. Hey, dites-moi, je suis vraiment une française. J'en sais rien. Je veux que tout le monde goûte, c'est incroyable. Ça a l'air excellent. I know one thing for sure.
Guys, je reçois d'autres amis à la maison. C'était pas du tout prévu dans mon programme, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, on est samedi soir, passer une petite soirée avec ses amis, ça fait du bien. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire un petit secret, c'était vraiment genre, pas un rêve, mais un objectif de pouvoir avoir mon appartement et recevoir mes amis, ma famille, chez moi pour passer du bon temps, etc, etc. Genre, être host, c'est tellement bien, genre, c'est trop bien, genre, t'es là, il y a des gens qui sont contents d'être chez toi, qui s'amusent, qui rigolent, etc, etc. Et puis tu te dis, putain, c'est trop bien. J'attends tout le monde et j'ai envie de profiter un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que je mets trop la pression. J'arrive pas à apprécier les petits moments que j'ai avec les gens de mon entourage. Parce que je me dis toujours, ah putain, mais il faut absolument que tu fasses ci, il faut absolument que tu fasses ça, etc, etc. Je pense tellement au boulot que j'oublie de vivre le moment présent. Et là, en ce moment, je suis vraiment consciente de l'importance de profiter parce que le travail, ça peut attendre une soirée, une journée. Par contre, les amis, tu vois, genre les moments que tu passes avec tes potes, c'est précieux. Et voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo, elle t'aura plu. Elle vous aura plu, elle t'aura plu. Je sais pas, on arrive à quel stade notre relation. On se tutoie, on se voit, dis-moi. Et je vous fais plein de bisous. Et merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait énormément chaud au cœur. Voilà, bisous. We've been done long before it all begun. Still can't give it up.